Vous regardez RTL. C'est donc une Mercedes qui va gagner, c'est sûr, maintenant. Pour l'instant, depuis le début de la saison, c'est un carton plein des Mercedes, ouais. Premier, deuxième, mais surtout les Ferrari, parce qu'il y a le Monégasque qu'on adore, évidemment. Charles Leclerc qui est en difficulté en ce moment, il a des problèmes avec son écurie qui fait n'importe quoi avec. Ah oui, ah oui. Donc on espère que ça y est, enfin Charles Leclerc. Pourriez commenter la FA aussi, alors. Ah non, mais c'est un sport de spécialiste, mais ça va tellement vite, j'adorerais, évidemment. Ah oui, essayez là pour nous, pour voir juste alors. Et c'est Alain Prost, Alain Prost en duel avec Ayrton Senna, c'est absolument extraordinaire. Il reste trois tours. Il reste trois tours maintenant. Et à l'approche maintenant, il reste 200 mètres. Et le dernier virage à l'approche qui passe à Ayrton Senna. Champion pour la quatrième fois. Champion pour la On l'applaudit à l'approche. Champion pour la cinquième fois. C'est extraordinaire. Et là, regardez, il y a une dame au premier rang qui est enceinte. Elle est enceinte de son septième mois. Comment il va s'appeler? Il va s'appeler Alain ou pas? Marius, alors il y a une dame au premier rang qui est à 2 cm de moi, elle est adorable et elle est enceinte de son 7e mois, elle est venue aujourd'hui, elle a pris une RTT, elle a bravé l'interdiction des médecins, elle a bravé l'interdiction du chirurgien. Et ben je vous adore madame, c'est votre copine à côté? Ah d'accord, ben en tout cas bravo à vous en tout cas. T'as pas des grands prix plus récents parce que Prost et Senna c'est quand même un peu... Oui mais c'est les années 80, c'est formidable, c'était un duel au mérite. Qu'est-ce que vous voulez, il fait, il drague des vieilles alors forcément. Elle est super jeune, comment vous vous appelez madame? Charlène, elle s'appelle Charlène et elle est d'accord. Adorable. Ah, il va nous faire le j'ai remarqué dès le début de l'émission. Enfin, vous draguez les femmes enceintes. Oui, bah son mari est là ou pas votre se ressemble. Bah, il n'est pas là, son mari. Oh, c'est... Mais non, mais... Alors, je suis libre. Il nous fait l'école des fanées. Dans l'école des femmes. À mon avis, il vise la sœur. Il parle à la femme enceinte pour draguer la sœur. Non, comme il est incapable de baiser, bah, il la prend avec le kit. Moi, je fais bien.